Twitter. Ah, là on va. Là il va y avoir beaucoup d'aménagements, j'admets. Je construis devant lui, là j'y pars. Ça me fera toujours rire, ça. Intérieurement, voir ça d'une IA, c'est toujours mais folklorique, quoi. Parce qu'un jour, un joueur ne laisserait jamais des villageois tranquilles en train de construire. Hein. Aligner là et tirer une... Voilà. Ah, ça me paraît bien. On va virer ça parce qu'on n'a pas besoin. Moi, ça me paraît bien comme fortification. Après, j'aurais pu faire un truc, c'est vrai. C'est que j'aurais pu laisser un trou pour que les troupes ennemies passent par ce trou, mais en soi ça me fait plus chier qu'autre chose dans les signes. Ah ben enfin! Enfin, vous vous rendez compte que les violeurs c'était utile de les massacrer? D'ailleurs, c'est trop cherché, on va y faire, ils y sortent. Et d'ailleurs, on va aussi faire plus de mongoudeille. J'ai un villageois de 3. J'ai trop de villageois par contre. Ça, je suis tout à fait d'accord pour ceux qui se demandent. J'en ai largement 3. Généralement, 30 villageois, moi ça me suffit. Et là, en fait, j'ai beaucoup plus de villageois que d'habitude. D'habitude, j'ai 8 villageois aux mines, 12 à nourriture et 10 au bois, qui fait 30. Là, j'ai un petit peu augmenté pour avoir un peu plus de villageois au niveau notamment des mines de pierre. Ce qui est un choix, hein, après. Quand vous avez 200 de pop, vous pouvez vraiment vous permettre d'en avoir 10 dans chaque truc, même. Je crois que d'habitude, quand j'ai 200 de pop, je vais avoir 20 au bois. Je vais en avoir 24 à la bouffe. 10, 12 à l'or, et je dois en avoir 5, 6 à la pierre. Après voilà, c'est... C'est pas grave après. Hein. A-t-on vraiment balistique? Oui. Pourtant mes châteaux tirent comme des manches. M'en manque encore 12 dans le château. De toute façon, j'arriverai full pop d'ailleurs. Alors, à savoir que ça sera pas. Ma vidéo ne sera pas à 40 minutes. Enfin, mes vidéos n'arriveront pas à 40 minutes quand eux ils disent 40 minutes, donc je suis en vitesse normale qui est légèrement supérieure à la vitesse. Quand vous mettez en vitesse lente, en gros, c'est la vitesse normale. Une seconde égale une minute. En vitesse normale, c'est un petit peu plus rapide.
C'est là que je me rends. Je me souviens de cette mission-là quand j'étais jeune. J'ai jamais joué à Vampire en multi, excepté ben, depuis que j'ai sur Steam, donc la édition HD. Je me souviens d'une époque où une mission, j'arrêtais pas de mettre. Une mission qui me plaisait, je mettais le code AEGIS, tout se construisait instantanément. Il y avait de ces batailles. Oh, c'était impressionnant. Les kills à la fin de la partie, c'était 200, 300, 400 kills. 300 de pertes de mon côté, et en face, c'était facile. C'était facilement des milliers de pertes, c'était. Ah, c'était une autre époque, ça. Même si je reste d'avis que Gotrich, c'est totalement pourri. Ouais, Sabotage est là, on a gagné! Ou pas. Bah, t'es en vrai. Personnellement, quand j'ai vu ça en renfort, premier coup, j'hésitais entre on se fout de ma gueule, ou est-ce que c'était vraiment ça, les renforts que je devais attendre, j'aurais pas pu attaquer moi-même. Quoi, moi je m'attendais à des armes de siège, des trébuchets, des trucs comme ça, vous voyez, des vrais trucs qui peps, là, mais non. Ah. Alors on envoie ça. Maintenant on envoie mes. On vide mes deux châteaux. Après, faire un trou, ça c'est fait. Me faudrait un peu de place dans un pop. Bon, bah, ces villageois vont mourir. Hein. Je suis désolé, il faut de la place. Et ces trois, une fois qu'ils mourront, me donneront encore assez. Me donneront ma place qui manque pour avoir quatre trébuchets. Et ils vont faire un trou là. Voilà. 4 trébuchets. Alors, je sais pas au bout de combien de temps qu'ils détruisent le pont, sincèrement. Peut-être au bout d'une heure. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils vont construire une merveille, ils vont essayer de faire une victoire par merveille. Et je sais plus au bout de combien de temps, donc... D'ailleurs, moi, je peux pas faire une merveille, hein. Parce que justement ils ont prévu le coup. Il n'y a pas de relique justement pour éviter que ceci des victoires par relique aussi. Oh mais ils sont quand même malins. Hein. D'ailleurs Sabotage, lui, va accompagner mon armée. Et là on voit le problème d'un joueur. Là on peut voir des soucis d'une personne qui fait qu'une seule type d'unité, qui pense que les chevaliers teutoniques est la meilleure unité du jeu. C'est bien contre les factions de corps à corps, c'est nul contre les factions qui s'est spécialisé dans les attaques à distance. Ah ouais, bah ils vont faire sauter. Ah ils vont faire sauter finalement. J'avais déjà une... Ah non, j'ai dit... Putain, j'ai fait deux universités. Mais là au final j'ai tellement de troupes de l'autre côté que c'est bon. Et je vais pas vous mentir, je me souviens de cette mission beaucoup plus dure que ce que je suis en train de faire là quand même. Je me
je me souviens de cette mission comme une mission assez dure, une mission où l'ennemi envoie troupe sur troupe, vous ensevelit sur les troupes, sous les paladins, sous les chevaliers teutoniques, sous les tirailleurs, sous les moines, sous les trébuchets, mais là rien, niet. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne, je sais pas vous, mais moi je trouve la mission vraiment simple quoi. Je dirais pas la même chose par contre de la campagne des Africains, la Kingdom of African, qui est d'une difficulté waouh. Par contre, génial. Ça, par contre, le fait que ce soit aussi dur, c'est génial. Par contre, je le filmerai peut-être pas en difficile, mais bon, c'est dans trois campagnes. Il y a encore plein de campagnes avant. Que je vous rappelle qu'il y a la campagne de Fondé Barberousse encore à filmer. Il y a la campagne de. Donc là, on aura fini le Age of Empires 2 standard, si vous préférez. The Edge of Kingdom. Après, nous attaquerons à Age of Empires 2 The Conqueror, où il y a 4 campagnes. Plus plus une campagne, en gros, c'est vous suivez un héros, enfin, une histoire particulière sur différentes batailles importantes de l'histoire. Donc en gros, vous avez, je crois, 10-15 missions comme ça. C'est la campagne des conquérants. C'est une campagne sympathique, je vais pas vous mentir. Des missions vraiment sympas, d'autres qui sont moins bien. En plus, vous jouez un peu toutes les factions, donc ça, c'est un très très bon point. Et au final, cette vidéo, en fait, ça va être la plus courte. Si on avait creusé, c'est une des vidéos les plus courtes de cette campagne. Parce qu'on est déjà à 40 minutes de vidéo. Enfin, on a moins de 40 minutes de vidéo. Je vais faire en deux parties, mais moins de 20 minutes à peu près. Comme c'est parti. Ah, il me faut pique 5 trébuchets pour one-shot le bâtiment. Alors, il y a un château encore au sud, c'est pour ça que je prends le temps par passer par là, pour le château. Là. Et j'ai toujours... Allez, j'ai encore toutes mes troupes, c'est... au sud, ça on a pas besoin de me le dire pour être au courant hein. Je vois des moines venir de là depuis tout à l'heure, donc ça peut être que ça hein. D'ailleurs il y aura un tir qui va partir là-haut pour me détruire la caserne. Par contre, ce qui est dommage, alors ils ont The Forgotten rajoute les Hongrois, ce que là j'aurais adoré par exemple ils mettent la faction hongroise en face de nous quoi. Ouais, une correction a posteriori, on achète le DLC, ben on refait cette campagne là, mais avec une faction hongroise quoi. Et pas teutonique en face de nous. C'est un petit c'est vrai que c'est un tout petit détail, mais ça aurait pu être sympa quoi. Il en faut peu pour être. Excusez-moi. Et maintenant qu'on a fait sauter, on va dire. La porte d'entrée de leur royaume, ben c'est fini quoi. On a dégommé leurs deux châteaux. On arrive vers leur forum. Alors là où cette muraille là, faudra qu'un jour qu'on m'explique à quoi elle sert, parce que toujours ils bouffent le bois là, donc au bout d'un moment, à se demander si vraiment elle est utile hein, cette muraille. Hey, j'ai toujours perdu aucun cavalier. Ça me surprend en fait.
J'ai envoyé 40 cavaliers, j'en ai perdu 0. D'ailleurs, on peut faire normalement ça. Enfin, presque. Presque. Beaucoup de ressources. Beaucoup. Beaucoup. Voilà. 3000. Donc, alors, si vous n'avez pas fait traverser vos troupes avant que le pont soit détruit, vous faites des zones agres. Donc, atelier de siège, recherche au nagre, vous détruisez les forêts là, vous, avec vos trébuchets, vous détruisez là. Vous faites un petit détour ici pour être au château là, vous faites un trou là, vous descendez là, vous remontez comme ça. Ou vous faites comme moi, si vous pouvez, vous préparez vos troupes à l'avance. Et vous rasez tout le monde en ayant prévu le coup à l'avance. Donc 40 mogudai, 4 trébuchets, 5 trébuchets, ça sera le must. Mais bon, 4 trébuchets minimum pour détruire assez vite quand même les bâtiments. Hein. Et normalement, il n'y a plus de villageois. Enfin, moi, il y a 6, il me reste plein, mais. Voilà, ils ont plus de villageois. Donc, techniquement, une fois que j'aurai les derniers bâtiments militaires, ils seront morts. Mmh. Bah, mon premier mort, ça arrive, hein. Il y a bien des morts un peu dans toutes les guerres. Hein. Et de mort bêtement, mais bon. Donc ils ont vraiment plus de villageois. Ouais, après il y a un monastère, il peut essayer de capturer des villageois avec. Je comprends la logique du lieu. La logique. Enfin bon, donc ne vous inquiétez pas en tout cas par rapport au pont qui est détruit. Faut pas penser que le coup, ben faut que j'envoie assez de troupes dès le début. Non, si vous loupez, vous faites des onagres de siège et enfin des onagres et vous détruisez onagre ou onagre de siège, ça dépend de quelle édition vous êtes. Édition Age of Empire 2, encore avec Considerum ou Age of Empire 2, Age. Par contre, prévoyez, si vous voulez passer pareil, essayez de mettre quand même deux châteaux en prévision, faites une muraille quand même. Pour éviter de vous faire submerger par adversaire parce que vous avez mal prévu votre coup, ça peut arriver. Donc mieux vaut que vous anticipiez quand même la possibilité de que l'ennemi vous contre-attaque. Hein. Et un monastère en moins, un. Moi, qu'est-ce que je dois encore raser? Parce qu'en soi, j'ai quand même rasé un peu tout ce qui avait de la valeur, quoi. J'ai loupé quelque chose, c'est pas possible. Faut vraiment que je rase en fait tout le bâtiment pour en produire une seule ressource, c'est ça? Oh. Il y a un compte direct derrière. Voilà. Normalement, ça compte pas, mais ouais, ça explique pourquoi en fait. Là, ils ont le camp de tireur que j'ai oublié. Allez, c'est pas grave. On va bientôt avoir terminé la campagne de Genghis Khan. Non. Mais là, je sais pas quoi dire. Hein. Normalement, ça devrait être fini. Bon, il faut peut-être des tours à marcher.
Après une forêt de marché qui est détruite, je sais pas ce qu'il me restera à faire, quoi. Il pourra plus rien faire, techniquement. Bon, heureusement que je connais certains cheats pour eux. Parce que parfois, les missions peuvent être bloquées. Ça a déjà parfois arrivé de devoir utiliser un cheat parce que la mission était totalement bloquée. Il n'existe rien entre nous et l'océan Atlantique. L'Empire mongol comprend deux continents entiers. L'Europe et l'Asie appartiennent au Old. Les terres que nous avons foulées ont changé pour toujours après notre passage. La Russie, en proie aux querelles des villes, comme l'ancienne Mongolie, va sans cesse se révéler comme une seule et grande nation. Genghis Khan a forgé le plus vaste empire jamais créé dans la vie d'un homme. Son corps a été rapporté au fleuve Onon, où les légendaires loups bleus et biches avaient vécu. Il a été enterré dans le sol et des milliers de cavaliers ont piétiné le site pour le camoufler. Le dernier lieu de repos de Genghis Khan a été dévolé par les steppes. Mon peuple nourrit la légende que son grand chef reviendra un jour pour mener ses cavaliers vers une autre victoire sanglante. Eh ben, ça sera pas pour nous. Voilà. Parce que nous venons de terminer la campagne de Genghis Khan. Ayant pulvérisé la Hongrie. Parce que pas d'autre mot. Hein, là. À 36 villageois, il y en a un manque quand même pas mal. Et voilà. Et nous terminons par la campagne du grand, du terrible Frédéric Barberousse. Mais ça sera dans une prochaine campagne. En tout cas, je vous remercie de regarder cette campagne en ma compagnie. J'espère que vous avez passé agréablement. En ma compagnie, on a regardé la campagne des Mongols. Et je vous dis à une prochaine fois. Portez-vous bien. Et à ciao tout le monde. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo en entière.